Coucou. Coucou toi. Ça va? Ouais? Ça va? La matinée commence bien? Il fait beau, il fait soleil. Bonjour, bonjour, c'est lundi. Je crois qu'il est tôt pour une fois pour commencer un vlog. Pour moi, c'est 8h43. Je suis debout depuis 6h30. Non, maman, elle va pas mettre les chaussures. On va pas dehors encore, mon cœur. Hélène veut déjà sortir. Lui, il est debout depuis 7h30. Elle, elle a bu son bibi à 6h30. Donc, c'est bien. Nous sommes tous les trois debout. Je laisse Anthony dormir tranquillement, qu'il profite un petit peu. J'en ai profité pour... parce qu'au début, Hélène s'est pas levée tout de suite. Je l'ai pas levée avant 7h30. J'ai fini ma lecture. En ce moment, je suis une dévoreuse de livres. Et donc, j'ai lu Crush de Maya Banks. Regardez-le, là. Il veut me grimper dessus. On est tous encore en mode pyjama. Regardez-le, regardez-le. Il va m'écraser volontairement. Ça t'amuse? Bon, du coup, j'étais en train de vous dire que j'ai fini une lecture. J'en ai profité que je suis partie à Caen pour les trajets pour me prendre un bouquin pour lire. Donc, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé lire cette histoire. C'est l'histoire d'une fille qui a un lourd passé, qui va s'y retrouver confrontée et qui va avoir le soutien d'une personne. Alors que c'est une femme qui est très indépendante et qui ne veut pas avoir à être aidée des autres. Voilà, ils disent Elisa, mariée d'une demoiselle en détresse, elle est déterminée, farouche et prête à tout pour empêcher le monstre qui a fait de son adolescence un enfer de frapper à nouveau. Oui, c'est le camion de pompier, mon cœur. Et pas juste le pimpon. Pimpon, c'est le bruit qu'il fait. Et je l'ai dévoré en l'espace de 3 jours. Mais comme lecture d'été, c'est vraiment grave été, je prends du temps pour lire, j'aime bien. Là, du coup, je pensais l'embarquer de base pour les vacances, mais comme j'ai déjà lu sur Caen, bah, actuellement je suis sans bouquin. Donc n'hésitez pas à me donner d'autres références en barre d'infos de livres que vous avez bien aimés. Moi, je vous mettrai le lien en dessous en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, parce que je trouve que c'est bien de partager les bons plans lecture pour adultes, tout simplement. Regardez là, comme elle joue, elle est marrante. Il te plaît, le petit papillon? On se retrouve un petit peu plus tard. J'ai fait les valises, je vais aller vous les montrer après tout à l'heure. Enfin, j'ai fait le plus gros des valises. Je vais vous montrer un petit peu comment je me suis organisée, parce que j'ai fait ça pendant qu'Anthony faisait d'autres choses. Donc, du coup, j'ai pas trop pris le temps. On a reçu un colis d'abonnés, donc de Ezra et Flo. Et je me suis dit que ce serait pas de vous les montrer parce que ça peut être aussi des bonnes idées pour vous. Donc, c'est surtout de ceci que je voulais vous parler. C'est le livre qui s'appelle L'école maternelle. Donc, c'est un livre animé. En fait, du coup, on peut bouger un petit peu des parties. J'ai pris le temps de le regarder. Il est vraiment génial. Donc c'est des éditions Milan. Donc un énorme merci parce que je trouve que ça va être une façon géniale de pouvoir encore plus concrètement aborder la rentrée scolaire d'Eden qui approche à grands pas. Énorme merci parce que le livre est très beau, de très bonne qualité et le côté animé c'est juste génial. Ensuite, et c'est trop mignon aussi, un petit kit Lego avec bien sûr deux chantiers. Donc Eden adore tout ce qui est voiture, donc ça il va juste adorer. Et en dernier, alors je vais essayer de la récupérer parce que je l'ai déjà donnée à Lily sans qu'elle se réveille. Ouais. Regardez-la, moi, cette magnifique licorne. Elle est juste splendide. Elle est d'une douceur pas possible. C'est de la marque Histoire d'Ours. Et ça, c'est juste une marque d'une qualité de fou. Création française en plus, toute pailletée, argentée comme ça. Elle est juste superbe. Et donc, je l'ai posée à côté d'elle pendant. Elle s'est endormie avec. Elle l'aimait bien. C'est ça, parce que je viens de rentrer. En fait, ça fait 3 jours. J'ai des gros soucis de réseau à la maison. Donc, j'arrive plus rien à partager. Non, du coup, j'arrive pas à aller ce côté chez ma mère. C'est génial le courrier. Hop là. Alors, on va monter sans faire trop de bruit parce que j'en ai un grand loulou qui dort à côté. Alors, je vais vous montrer d'abord ici. Donc, j'ai fait un sac où il y a les grands paquets de couches, un pot de lait pour Lydie, une bouteille de lait pour Eden et une bouteille d'eau pour Lydie, sachant qu'on va dans un endroit civilisé donc on pourra racheter de ça et de ça. Mais ça, je voulais pas avoir à racheter. Oui, monsieur le chat, c'est pour. Ensuite, j'ai prévu un sac qui servira aussi de sac de plage, où il y a tous les jouets. Donc, vous voyez, il y a déjà les jouets de plage. J'ai mis des voitures, des livres. J'ai mis le gros runner de Lily Rose, qu'elle adore. En fait, des trucs qui peuvent se prendre à la poussette pour qu'elle ait des jeux. Ce sac, c'est le sac d'habits des enfants. Donc, en fait, le système que je fais, c'est que je roule les vêtements. Ce qui fait que ça tient beaucoup moins de place. Donc, vous avez tous les habits des petits, son paquet de couches. Waterproof qui est rentré dedans. Il y a un sac avec tout ce qui est déco topade et de l'eau nettoyante, un linge classique, un maxi linge, des bavoirs, une tenue chaude. Au niveau quantité, je vous montrerai quand on arrivera à Cannes ce que j'ai pris. Mais en gros, j'ai pris 3 shorts pour Eden,
un pantalon, deux pantalons pour Eden, deux pulls, quatre t-shirts, le maillot de bain. Pour Lily, j'ai prévu, je lui ai prévu un pyjama aussi pour la nuit, Eden au cas où il a besoin. Pour Lily, j'ai prévu deux pyjamas chauds, deux body pour la nuit. Et genre 5-6 tenues. Et j'ai prévu aussi donc des paires de collants, une veste pour que tout simplement elle ne tombe pas malade. Et il faut que je rajoute, je n'ai que le carnet de santé Lily, il faut que je rajoute le carnet de santé d'Eden. Donc là-dedans, c'est tout ce qu'il y a pour les enfants. Et là, c'est notre sac où il y a aussi pour les enfants, donc il y a toutes les serviettes de plage, la lingerie et nos affaires. Et d'ailleurs, je viens de penser que je n'ai pas mis de maillot de bain pour moi parce qu'en fait, je n'ai pas de maillot de bain. Donc la chose que je vais devoir trouver à Ken, c'est un maillot de bain, sinon je ne ferai pas plouf. Et on remplit la voiture. Donc on va prendre une seule poussette, un porte-bébé, comme ça on alternera sur les besoins. C'est bête, hein. Parce qu'à 2 semaines près, on n'a pas la même voiture. Logiquement, ouais. Un petit peu ce que ça donne. Alors là, il reste le sac donc avec les couches, le lait et des bouteilles d'eau avec les chaussures d'Eden, les jouets. Et là, donc, on a déjà mis donc le matelas à linger, nos sacs à nous avec tout ce qui est serviettes, le sac des enfants avec même les médicaments. Et donc, pour Lily, on va prendre celle-ci. C'est pas celle qu'on utilise d'habitude, mais c'est la plus petite en fait qu'on a. Et si on l'allonge, elle est utilisable dès la naissance. C'est good. On peut même passer un sac au-dessus, dit. Tu vois, regarde, on arrive à partir en vacances, mon cœur. Et moi ça, mes petits hommes qui sont en train de préparer la voiture pour les vacances. Papa. Tu veux être papa? On n'a plus de lave-glace, donc forcément, il faut bien que je nettoie l'hydro. Ah mince, il faut qu'on aille en acheter demain alors pour être tranquille sur la route. Ouais. J'avais oublié. On a des bons réflexes, les lingettes qui nettoient les vitres. Donc on a réussi à tout rentrer dans le coffre. Il y a juste ce petit sac qui est là, donc c'est parfait puisque demain on rajoutera juste le sac dernière minute. Je crois qu'on a tous ce sac, donc moi il faudra que j'ajoute les biberons, entre autres, dans le sac dernière minute et ma trousse de make-up. Hop. Bon les amis, il y a Eden qui a repéré son nouveau jouet. Il s'installe avec nous. Du coup, il nous a demandé si on pouvait lui ouvrir. Alors, on va lui faire ce petit plaisir. Ah. Oh, le sourire. Voilà. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ouais, il y en a. Waouh. Waouh, t'es content? Tu vois, on va construire le tracteur, mon cœur. Alors, il faut juste que maman comprenne comment ça fonctionne. Voilà, regarde, on va pouvoir mettre ce petit bonhomme dessus. On va mettre l'ouvrier, mon cœur. C'est un bonhomme. Regarde. Hop là. Et voilà, il est dans le camion de chantier. Ah, c'est vraiment trop bien encore, merci. Les amis, il est 18h30. Ça y est, c'est officiel. Lily Rose a 3 mois. Et oui, moi, je fais partie de ceux qui attendent que l'heure passe pour souhaiter un joyeux anniversaire ou un joyeux mois de plus, surtout pour les premières années. Elle est juste à côté de moi, elle fait de deux. Mademoiselle a 3 mois. Ah oui, elle a du blanc parce qu'on lui a mis du talc dans le cou parce qu'elle a le cou irrité. Je vous tournerai le bilan, je pense, pendant que je serai en vacances de son 3e mois de vie, mais qu'est-ce qu'elle grandit? Qu'est-ce qu'elle grandit? C'est fou comme en 3 mois elle a changé, quoi. Tu adores bien là, en tout cas, à côté de mon menu. Moi, ce bébé de 3 mois, je lui ai un petit peu déboutonné le pyjama pour qu'elle soit bien. T'es bien avec ton petit hochet dans les mains? Je m'étire, je m'étire. Regardez-moi comme je suis grande. Yoak. Voilà. Et je vois le papa. Filme maman. Ah, il filme maman. Ah. Oh, mais va quand il croit, il pas comment, il pas comment. Qu'est-ce que t'en dis, maman, là, comment vas-tu? Ah, quoi, ça titi? Il regarde l'écran en même temps. Elle est où, Lily? Ah, Eden, elle est où, Lily? Ah, il n'y a pas papa. Elle est où, ta soeur? Oh, dis, tu apprendrais presque à cadrer. Il n'y a pas papa, quand il y a... Il n'y a pas connaître, il y a un peu de gueule. On se retrouve après un live fort instructif. Donc... Je m'amuse comme d'habitude à faire le casse-dalle. Donc c'est très simple, le frigo est vide, donc j'ai dû faire avec les moyens du bord, ce qu'on avait. Filet de dinde. Et demain, let's go to Nice. C'est ça? Quoi? Demain Nice. Tu faisais la petite danse de la joie, c'est ça? Oui, je vais voir la mer, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Thank you.
one ever sees me I'm losing every battle Can't somebody save me I never know which way I'm supposed to go All I do is stare out my window I feel just like a ghost that you walk right through I feel like a shadow I just wanna know, am I insane?